Bonjour et bienvenue au studio Pandore. On est sur la première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année, remplie de musique, remplie de bonnes choses, de la santé, du bonheur, des amours, tout ce qu'il faut. Qui dit début d'année dit un peu de changement. De mon côté, j'ai une nouvelle caméra. Je pense que ça se voit à l'image pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement. J'avais pas cette qualité-là avant cette vidéo. J'avais envie d'un plan et des images qui correspondent un petit peu plus à ce qu'on peut voir naturellement ici dans le studio. Et pour revenir à notre vidéo du jour, en fait, je voulais vous proposer quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment. Et le concept, c'était de faire un cover, une reprise du début à la fin. Donc, je vais enregistrer la guitare, la batterie, la basse. Je vais faire toutes les voix. Et aujourd'hui, on est sur une reprise d'un titre qui s'appelle « Lettres à France » de Michel Polnareff. On n'est pas sur du morceau récent, loin de là, mais c'est un morceau que j'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça, et je me rends compte qu'il était vachement bien foutu. J'aimais bien l'émotion qu'il procurait. Donc c'est une vidéo qui va se regarder tranquillement, on va prendre le temps de faire chaque prise. Dans un premier temps, mon idée pour enregistrer ce cover-là, c'était d'avoir la structure du morceau. Je voulais déjà avoir toute la guitare rythmique en place sur le projet. Toutes les parties de guitare, je les enregistre deux fois, pour avoir un petit peu de stéréo, une à droite, une à gauche dans le morceau. Et je vais juste vous mettre une prise à chaque fois, ça vous évitera de voir des doublons, quoi, ça sert à rien pour vous. Je vous laisse voir ça maintenant. Du coup, là, j'ai terminé la guitare électrique, j'ai ma structure, et du coup, je peux passer à la batterie. Comme ça, j'aurai vraiment ma phase rythmique, je pourrai rajouter les autres éléments après sur la batterie, j'aurai plus besoin de clics. Donc, la prise batterie, c'est parti. Thank you.
Donc maintenant qu'on a la prise batterie d'enregistrer, on a déjà une bonne structure, un bon socle pour poser le reste. Du coup, je vais enregistrer la basse maintenant sur la batterie, comme ça on aura notre basse batte plus la guitare. Bon, du coup, là, j'ai enregistré toute la musique. On a la batterie, on a la basse, on a les guitares. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement enregistrer toutes les voix. Je vais commencer par le couplet, comme ça, on pose vraiment toutes les phrases. Je m'échauffe un petit peu la voix aussi, et ensuite, on passera sur les refrains qui sont un petit peu plus durs à mettre en place. C'est un peu plus haut en termes de tonalité. Je vous laisse écouter ça. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es à 6 heures de moi, je suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. Oui, la différence, c'est ce silence. Parfois au fond de moi, tu vis toujours au bord de l'eau. Quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos. Et toi, loin de moi, je vis dans une boîte à musique électrique, fantastique. Je vis en chimérique. Oui, la différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu n'es pas toujours la plus belle, et je te reste infidèle. Mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. La
l'amour s'est fait de ça. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. T'es ça être là-bas. Tu vis toujours au bord de l'eau, quelquefois dans les journaux. Tu n'es pas toujours la plus belle, et je te reste infidèle. L'amour s'est fait de ça. Je suis comme loin de moi. Tu n'es pas toujours la plus belle. Donc là, on a toute la musique, on a la voix, mais j'avais envie de rajouter quelque chose, et je crois qu'il y a ça sur la chanson originale aussi, rajouter un petit peu de corps, rajouter un petit peu d'aspect péchu à la musique. On va rajouter de la guitare saturée sur les refrains. Je vais rajouter aussi une guitare solo sur les refrains, histoire de compléter un petit peu l'arrangement et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant. Ok, donc là, on a toutes les pistes, je vais rien rajouter dessus. On va se faire une écoute générale du morceau, je vous remets ça au début et on écoute ça jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne écoute. Thank you.
que je suis loin de toi. Je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es à 6 heures de moi, je suis à des années de toi. C'est ça être là-bas. Oui, la différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu vis toujours au bord de l'eau, quelquefois dans les journaux. Je te vois sur des photos, et moi loin de toi. Je vis dans une boîte à musique électrique et fantastique. Je vis en chimie. Oui, la différence, c'est ce silence parfois au fond. Pas toujours la plus belle, et je te reste infidèle. Mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. L'amour s'est fait de ça. Et donc voilà, le cover de Michel Polnareff, Lettre à France, est terminé. J'aurais pu rajouter des choses, mais je trouvais que ça sonnait bien comme ça. Toutes les pistes, mis à part les guitares saturées, sur lesquelles j'avais mis déjà un plugin pour avoir de la saturation, tout ça, toutes les autres pistes, elles sont neutres. Elles sont complètement brutes. L'idée, c'est de mixer ces pistes-là pour avoir vraiment un bon rendu. Donc, dans peu de temps sur la chaîne, je vais faire une vidéo, et du coup, vous pourrez voir un petit peu comment ça sonne avant, comment ça sonne après. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie de cette vidéo-là, si ça vous intéresse. Et j'ai envie de faire un petit peu plus de vidéos cette année sur des thèmes un peu comme ça, plus artistiques. On va plus me voir bosser, pas spécialement que de la face cam comme ça où je fais des tutos, etc. Il y aura un petit peu de tout, mais j'ai envie d'avoir des vidéos un petit peu plus complètes qui prennent un peu plus de temps à faire, beaucoup de montage. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits likes, ça soutient la chaîne, ça soutient le studio. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai regardé un petit peu les statistiques d'ailleurs de 2022. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, qui sont pas abonnées. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais du coup, si vous voulez soutenir, si vous aimez ce genre de vidéos, bah n'hésitez pas, parce que moi, ça m'aide bien. Ça me motive aussi à faire plus de contenu de qualité aussi pour vous. Et c'est toujours un plaisir à faire de mon côté, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Donc voilà, moi, je vous dis à la prochaine, les copains. C'était Antoine Kamal pour le studio Pandore. Ciao !